Aujourd'hui, il pleut sur la Savoie et regardez, est-ce qu'on voit mieux aujourd'hui qu'il y a de la neige là-haut, là sur les sommets? Donc je vous raconte pas, en Haute-Savoie, bah, ça neige depuis hier matin et ils ont une belle couche blanche comme un fumet. Et mon chéri, il est super ravi. Quand je dis que mon chéri est ravi d'aller travailler aujourd'hui, c'est bien évidemment de façon ironique, étant donné qu'aujourd'hui, derrière la semis, enfin derrière le tracteur de la semis, il a une remorque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il travaille sous la pluie, donc il charge et décharge des éléments de grue sous la pluie. Et un plateau sous la pluie, c'est glissant, donc il faut faire vraiment gaffe. Pour moi, pour l'heure, eh ben, je vais passer à la douche, donc il n'est pas encore 9 h. Et ce matin, je vais chercher un petit cadeau pour Caroline. Enfin, quand je dis un petit cadeau, je me connais, hein. Je dis un, mais je ne sais pas compter à ce moment-là. Parce que la prochaine fois que ma puce revient, c'est-à-dire dans un peu plus de 2 semaines, eh ben, elle fêtera ses 9 ans. Donc Caroline a son anniversaire le 12 mai. Et comme... Moi, je ne me sens pas trop de courir à la dernière minute, et puis surtout qu'en ce moment, voilà, j'ai l'impression que bébé va arriver plus tôt que prévu. Je préfère vraiment prévoir à l'avance, chercher les cadeaux maintenant, et voilà, on verra. Je vous montrerai bien plus tard ce que c'est, mais voilà. Ce matin, j'en ai profité pour me refaire une couleur, parce que ça faisait peut-être 2-3 jours que... J'avais rien mis et je me sens un peu, sans mon vernis, je me sens un peu à poil, si vous voyez ce que je veux dire. Alors moi qui aime bien tester les choses, j'ai vu que ma belle-mère, elle m'a amené ça hier. Donc elle a emmené des affaires pour bébé qu'elle avait achetées et elle m'a amené cette palette. Donc apparemment qu'elle a eu avec sa carte U. Donc la marque c'est Paris Saxe Beauty. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais voilà, donc ça, elle l'a eu dans cet emballage-là. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc, il y a des rouges à lèvres, donc il y a 3 tons de rouge à lèvres, il y a des fonds de... Enfin, il y a des blushs, et voici les nuances de la palette. Donc, comme je suis une touche à tout, eh ben, je vais regarder tout ça. Alors voilà comment ça se présente. Donc on ouvre, on a les couleurs des fards. J'ai enlevé ça. Donc c'est protégé par une petite pellicule. Voilà, donc les couleurs des fards qui sont ici. Donc ça varie du gris au rose un peu pêche, orangé, marron. Et là-dessus... Je ne sais pas si je vais y arriver d'une seule main. Ça me paraît un peu compliqué. Normal que c'était compliqué, je l'ouvrais à l'envers. Donc voilà. Donc et là, on a les rouges à lèvres. Donc ça va du nude au... Voilà. Je vous laisse regarder les couleurs parce que je ne saurais pas les décrire. Avec les blushs ou highlighters, enfin ça ressemble plus à des blushs. La couleur, elle est bizarre, surtout celle du milieu. Et donc voilà comment ça se présente. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire un maquillage avec ça. Et puis bah, je vous montrerai après. Ah, je peux enlever mes oreilles de chat, voilà, ça ne me sert plus. Donc voilà pour le maquillage avec la palette cadeau de chez Super U. Donc personnellement, moi je trouve que la pigmentation y est, que ce soit pour les paupières ou pour le fard à joues. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai un petit peu abusé du fard à joues. Enfin, du blush, quoi. Et pour les lèvres, j'ai utilisé le ton le plus foncé de la palette. Donc c'est-à-dire celui-ci. Et le seul pinceau que j'ai utilisé, c'est le pinceau pour les lèvres parce que le reste, c'est du gadget. Donc voilà, la pigmentation pour les lèvres, c'est la plus foncée que j'ai utilisée. Bon, elle est moins foncée que je n'aurais pensé en voyant au premier abord, mais j'aime bien quand même, ça reste discret. Voilà pour cet essai crash test de la palette de chez Super U.
Donc voilà, si vous avez une carte Super U et que vous dépassez je ne sais pas combien de points, vous pouvez l'avoir vous aussi. Bon ben voilà la douée du jour. Voilà, j'ai fait ma vaisselle et mon petit bol de chez Maison du Monde. Il est foutu! J'ai plus qu'à y retourner. Heureusement, j'en ai cassé qu'un seul sur les deux, mais voilà, je suis dégoûtée quand même, quoi. Là, je vous montre la couverture que ma belle-mère a emmenée pour bébé. Donc, ça ne veut pas zoomer. Si. Voilà ce que mamie Suzanne a amené pour bébé. Donc c'est une couverture assez épaisse, hein. Elle est bien bien moelleuse, bien épaisse. Voilà. Donc voilà. Et elle l'a trouvée à Leclerc. Donc je ne saurais pas vous dire le prix puisque c'est un cadeau qu'elle nous a offert, mais c'est super parce que ça va avec pile poil la couleur du lit. Donc ça se voit, c'est un petit lit de garçon. Voilà. Donc chez Leclerc, elle a aussi pris des petites grenouillères. Donc celle-ci, elle est molletonnée en 9 mois et deux un peu plus fines en 24 mois. Donc voilà, merci mamie Suzanne. Je sais pas si on voit bien, mais le temps, c'est toujours pas ça. Et bah, du coup, j'ai toujours mon gros pull doudou parce que c'est le seul qui me descend en bas du ventre. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu de pluie et un peu de neige sur les hauteurs. Voilà. Donc c'est le temps à faire les magasins en fait. Alors là, je vous retrouve en fin de soirée et regardez ce que j'ai commandé pour ma petite puce. Donc je suis allée à Micromania et j'ai commandé cette figurine donc qui arrivera la semaine prochaine. Je suis passée chez Yves Rocher où j'ai pris ce petit vernis couleur pivoine nacrée. Donc c'est ouais, couleur pivoine nacrée. On verra ça au plein jour demain. Donc le vernis végétal, il a coûté 2,95 € et 3,95 € pour cette base SOS Résiste. Donc voilà, de chez Yves Rocher. J'avais envie d'essayer ce que ça vaut. En cadeau, j'ai eu ceci. Donc, c'est un élixir de massage. J'ai pas encore senti ce que. J'ai pas encore senti le parfum. Et donc, en échantillon, j'ai eu le parfum comme une évidence. Et un petit livret avec des idées cadeaux de la fête des mères. Pour la fête des mères en fait. Alors voilà comment se présente l'élixir de massage. Il y a une belle couleur dorée et donc je l'ai essayé sur le creux de ma main et la senteur elle est sucrée mais vraiment très 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 délicate et c'est délicieux parce que ça me rappelle une odeur de mon enfance et j'aime beaucoup franchement. Voilà, c'est une bien jolie bouteille. Ensuite, je suis passée chez Maison du Monde. J'ai pas retrouvé mon petit bol parce qu'ils font plus le même modèle. Donc du coup, j'ai pris ceci. Donc à la base, c'est pour ranger du courrier ou des petits carnets. Mais moi, je vais l'utiliser pour ranger mes palettes. Voilà. Et voilà le rangement des palettes. Donc c'est plus aéré et j'aurai encore même de la place pour en mettre d'autres. Voilà. Donc ça m'a coûté 14,99 €, enfin 15 €. Ce soir, je sais que mes enfants sont inquiets pour leur grand-père. Donc les enfants sont toujours chez leur père. Et j'apprenais que ce soir, eh ben, le grand-père se fait opérer, donc on n'aura pas de nouvelles avant demain. Et je croise les doigts pour eux, je croise les doigts pour tout le monde. Voilà. Donc c'est sur cette note-là que je clôture le vlog et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous.